Thank you.
Alors, Ami, est-ce que c'est OK? Ami? Est-ce que c'est OK? OK, donnez-moi une minute. Je vais fermer les portes, hein, pour dissiper un peu le bruit extérieur. Voilà, ami. Bon, je pense que c'est bon. Je vais me lancer. Merci à vous, Aminata, d'avoir encore eu la disponibilité et l'amabilité vraiment de nous accompagner au niveau technique pour que le cours puisse se faire. Bonjour, chers étudiants. Comme vous le savez, je suis là pour un peu continuer à animer les cours magistraux. Alors, vous êtes sans savoir que depuis, comment dirais-je, depuis quelque temps, alors je vais désactiver les commentaires sur WhatsApp, sinon ça risque de gêner. OK, vous êtes censé savoir que depuis un certain nombre de semaines, nous avons interrompu les cours magistraux afin de pouvoir faire les TD. Alors, on a déjà commencé les TD. On a déjà corrigé un certain nombre d'exercices qui sont relatifs à la séparation des pouvoirs, okay, et au régime politique. Avant que les TD et comment dirais-je, ne soient en avance sur les cours magistraux, on s'est résolu aujourd'hui d'avancer un peu sur les cours magistraux. Alors, de manière très brève, la dernière fois, ou bien les dernières fois, nous avons parlé un peu des théories de la séparation des pouvoirs, théories de John Locke et de Montesquieu, qui sont d'accord sur l'existence d'une division tripartite, c'est-à-dire l'existence de trois pouvoirs. Tandis que l'un ne reconnaît pas l'existence des pouvoirs judiciaires, à savoir John Locke, Montesquieu reconnaît l'existence d'un pouvoir judiciaire et lui donne une place résiduelle, une place secondaire, une place qui n'est pas véritablement la sienne. Alors, autre aspect aussi qui est assez particulier de la théorie développée par John Locke, c'est qu'il parle d'un pouvoir assez spécial, d'un pouvoir assez particulier, c'est-à-dire le pouvoir confédératif dont la compétence et n'est-ce pas de conduire les relations diplomatiques, les relations internationales, le droit de faire la paix, le droit de faire la guerre. Alors qu'en réalité, n'est-ce pas, si on analyse bien, on se rend compte que ce que John Locke appelle le pouvoir confédératif n'est rien d'autre que le pouvoir exécutif tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire tourné vers l'international. Alors, on a pu dire aussi que les régimes politiques sont fonction du degré de la séparation des pouvoirs. À une séparation souple des pouvoirs correspond le régime parlementaire, mais aussi à une séparation, comment dirais-je, rigide des pouvoirs, n'est-ce pas, correspond le régime présidentiel. OK? Alors, le régime parlementaire, le modèle type est celui de la Grande-Bretagne. Pour le régime présidentiel, le régime, comme le modèle type est le modèle américain. Alors, je crois que vous avez vu ces aspects-là dans le cadre des TD. Donc, c'était un rappel qu'on avait besoin de faire pour un peu, n'est-ce pas, évoluer. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'accès au pouvoir et, si le temps le permet, peut-être des modes d'accès au pouvoir. Alors, l'accès au pouvoir pose la question de savoir comment accède-t-on au pouvoir. Comment devient-on président de la République? Quels sont les mécanismes, comment dirais-je, qui entourent l'élection d'un président de la République? Quels sont les mécanismes qui entourent, si vous voulez, les mécanismes constitutionnels, bien sûr, qui entourent, par exemple, l'élection de parlementaires, l'élection de maires, etc., etc. Alors, c'est cela que nous avons titré, n'est-ce pas, sous, comment dirais-je, le terme de l'accès au pouvoir. Alors, mais avant de parler de l'accès
au pouvoir constitutionnel, donc l'accès au pouvoir conventionnel, c'est-à-dire le mode d'accès reconnu par la Constitution, nous allons un peu parler des modes d'accès non démocratiques. Donc d'abord, mode d'accès démocratique, ensuite, mode d'accès non démocratique. Alors, pour les modes d'accès non démocratiques, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante en Afrique. Vous voyez ce qui s'est passé il y a une semaine au Burkina Faso, avant, comment dire, Burkina, quelques mois avant Burkina au Mali, ce qui a valu d'ailleurs, comment dire, au Mali, cette sanction-là de la CEDEAO. Alors, le Mali qui n'en est pas à son premier coup d'État, ainsi de suite, vous savez, l'Afrique a une histoire particulière avec les coups d'État. Alors, si bien qu'un auteur a écrit sur les coups d'État militaires en Afrique, c'est Jean-Pierre Papanel. Alors, il a dit, comment dirais-je, qu'en Afrique, presque la quasi-totalité, en tout cas des pays d'Afrique, comment dirais-je, subsahariens, bien des pays d'Afrique en général, ont connu des coups d'État, à l'exception du Sénégal et des quelques rares pays. Okay? Alors, donc, il a pu, l'ouvrage a été écrit, je crois, en 1980. Donc, en 20 ans, donc de 1960 à 1980, Jean-Pierre Pabanel a pu décompter, n'est-ce pas, un grand nombre, je ne me souviens pas du nombre exact, n'est-ce pas, un grand nombre, n'est-ce pas, de coups d'État. L'Afrique n'a pas toujours, malheureusement, rompu avec cette tradition-là de coup d'État. Bref, pour vous dire qu'il existe ce qu'on appelle la conquête par la force. La conquête par la force du pouvoir, c'est ce qui a failli se passer il y a quelques jours, même pas une semaine, n'est-ce pas, tout près de nous, c'est-à-dire en Guinée-Bissau. Alors, mais heureusement d'ailleurs que cette tentative de coup d'État a été avortée. Alors, au-delà de la conquête par la force, il y a l'hérédité. OK? Il y a l'hérédité et ensuite il y a la cooptation. Donc, on va présenter cela de manière générale et ensuite expliquer. Alors, pour ce qui est de l'accès démocratique, alors on va d'abord parler de la démocratie, ensuite des formes de la démocratie et enfin les modes d'accès de la démocratie. Alors, monsieur Volim, bon, j'ai augmenté, hein, je ne sais pas, je crois que ça ne doit pas être un problème de volume. Hein. Je suis à 95%, alors je ne sais pas trop. Les autres, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, j'aurais dû même demander à. Voilà. Maïmouna, celle qui s'occupe du direct. Alors, à mon niveau, hein, je crois que le volume est bon. Donc, Ngo, Ndiaye, je crois que ça doit être à votre niveau. Donc, essayez de faire quelque chose. Soit vous reconnectez ou bien vous actualisez. Hein. Alors, donc, je continue. OK? Alors. D'accord. Donc, ça, c'est à votre niveau. Hein. Donc, l'accès non démocratique. L'accès non démocratique, on en a parlé, c'est la conquête par la force. OK? Comment dirais-je? En dehors des coups d'État dont on en parlait, c'est les révolutions, c'est les usurpations de pouvoir. En fait, c'est une pratique, n'est-ce pas, de prise de pouvoir qui est faite par les armes, dans tous les cas, par la force. OK? Alors, ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle les pratiques non conventionnelles de prise de pouvoir, donc les pratiques non constitutionnelles. Parce que constitutionnellement, il est admis que le pouvoir, n'est-ce pas, ne s'acquiert, ne se transmet que par la voie des élections. Oui, je vous disais que Jean-Pierre Pabanel, n'est-ce pas, a identifié en 20 années, n'est-ce pas, 37 coups d'État en Afrique. Encore que 37 coups d'État, c'était en 1980. Aujourd'hui, je suis sûr que si l'on fait le décompte, peut-être. N'est-ce pas, on aura, n'est-ce pas, comment dirais-je, le double de ce qui s'était passé en 1980, dans la mesure où, comment dirais-je, il y a des pays qui ont connu au moins deux, un seul pays qui a connu deux, trois, n'est-ce pas, voire quatre coups d'État ou tentatives de coups d'État. Alors, qu'est-ce que le coup d'État? Donc, le coup d'État, c'est une pratique volontaire. Le nom de l'auteur, c'est Jean-Pierre Pabanel. Jean-Pierre Pabanel, hein, Divisoire. Alors, je continue. Alors, le coup d'État, c'est une pratique volontaire et consciente de l'armée ou d'une partie de celle-ci pour s'emparer, n'est-ce pas, des institutions, n'est-ce pas,
étatique. Alors, en dehors des coups d'État, il y a, comment dirais-je, l'hérédité. Okay, l'hérédité, c'est le fait que le pouvoir se transmet, par exemple, de père en fils. Alors, l'hérédité, n'est-ce pas, est une expérience qui est connue en Asie dans les monarchies, mais aussi dans les pays arabes, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite. Et pour les pays asiatiques, on pourrait donner, par exemple, l'exemple, n'est-ce pas, de la Corée du Nord avec, n'est-ce pas, la famille, n'est-ce pas, John Il. Alors, vous avez Kim Jong Il qui a succédé à son frère, à son père, n'est-ce pas, Kim Il-sung, etc., etc., n'est-ce pas? Donc, l'hérédité, donc le caractère héréditaire, comment dire, de la succession, c'est lorsque dans un régime politique, la succession se transmet, n'est-ce pas, en famille, notamment de père en fils. Alors, en Afrique, on a connu des cas, en Afrique, on a connu des cas, des expériences d'État, n'est-ce pas, où le père a succédé au fils. On a connu des expériences, n'est-ce pas, d'expériences politiques, des cas de figure où où le père, n'est-ce pas, a succédé, comment dirais-je, au fils. Alors, Faure Gnassingbé Eyadema, comment dirais-je, au Togo. OK? Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors là, peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est. On va vérifier après, ça doit paraître 2055, peut-être 2005, ainsi de suite. Au Gabon aussi, on a connu ce cas de figure-là. 2015. Au Gabon, on a connu ce cas de figure-là où Ali Bongo, n'est-ce pas, a succédé à son fils Omar Bongo. Alors, cette expérience aussi a été vécue. Sur la définition des coups d'État, je vais y revenir. Cette expérience aussi de succession de père en fils a été connue, n'est-ce pas, en RDC, donc République démocratique du Congo, avec Joseph Kabila qui a succédé à son père, Laurent Désiré Kabila. Alors, revenir sur sur la définition des coups d'État, c'est dans le cours, hein. Donc, c'est une pratique volontaire et consciente de l'armée pour s'emparer des institutions étatiques. Donc, une pratique volontaire et consciente de l'armée pour s'emparer, n'est-ce pas, des institutions, OK, étatiques. OK? Alors, il peut arriver des cas où aussi l'arrivée au pouvoir se fait par interruption. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez des cas où, par exemple, une personnalité était un président, par la suite, n'est-ce pas, il a été vaincu et plus tard, après, son fils, n'est-ce pas, devient président. Alors, et ça ne se passe pas que dans les pays non démocratiques. Par exemple, aux États-Unis, alors George Bush père a été président, n'est-ce pas, et quelques années après, George Bush fils est devenu président. Donc, ces expériences-là, il faut le dire, existent, mais elles ne sont pas valables que pour les États non démocratiques. Donc, je vous ai donné l'exemple, n'est-ce pas, du pays qui apparaît comme étant la vitrine démocratique du monde, comment dirais-je, où cette succession-là, par interruption de père en fils, n'est-ce pas, a existé. Alors, Joseph Mbissane, qu'est-ce que la Constitution prévoit après la mort du président, d'un président? Qu'est-ce que la Constitution prévoit? Ça dépend de quelle Constitution. Je vais vous dire pour la Constitution que je connais le mieux, la Constitution, n'est-ce pas, de la République du Sénégal. Alors, dans la Constitution de la République du Sénégal, il est prévu le remplacement du président de la République en cas de décès, en tout cas en cas d'incapacité à continuer à exercer sa profession. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon constitutionnel la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir ne veut pas dire quand au mois d'août, M. Macky Sall et sa femme et son fils vont en Haïti, vont. Non. La vacance du pouvoir, c'est lorsque l'exercice du pouvoir est interrompu du fait de l'incapacité de celui qui l'exerçait, n'est-ce pas, à continuer à exercer cette fonction-là. Le président de la République, après tout, c'est une personne comme vous et moi. Il peut mourir, il peut tomber malade gravement, ses facultés mentales peut-être. Comment dirais-je, atteinte. À partir de ce moment-là, la Constitution prévoit une solution. La Constitution sénégalaise prévoit une Constitution. Alors, la solution, c'est quoi?
C'est après le décès du président de la République. Lorsque le président de la République est frappé d'une maladie rendant, comment dirais-je, impossible l'exercice de ses fonctions, lorsque le président de la République perd ses facultés mentales, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim, alors vous prenez note, la technologie a réglé comment dirais-je, ces problèmes-là. Hein. Donc, il faut aussi, quand même, à ce niveau, qu'on s'adapte un peu. On est à l'université, on est plus au lycée. D'autant plus que ce qu'on dit, c'est enregistré. Enregistré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez suivre et répéter, n'est-ce pas, en bloc 100 fois si vous voulez. Alors, donc, aussi, oui, c'est vrai, il faut essayer. Comment dirais-je, d'y aller d'une manière qui permettrait que les gens puissent suivre et que les gens puissent, que les étudiants, parce que c'est les destinataires principaux, n'est-ce pas, de ce cours, mais autant aussi, il faut s'adapter, il faut s'adapter. On n'est plus au lycée, on n'est plus au collège, n'est-ce pas, on est à l'université, pas n'importe quelle université, on est à l'UVS, alors où normalement tous les cours sont enregistrés. Ce qui fait que vous pouvez, n'est-ce pas, comment dirais-je, à la minute qui suit la fin du cours, vous pouvez commencer à écouter et réécouter. Donc, à partir du moment où le cours se passe en temps réel, à partir du moment où le cours est diffusé, n'est-ce pas, sur YouTube, donc je ne vois pas la nécessité forcément, n'est-ce pas, de prendre le stylo et de noter. Alors, voilà. Donc, pour en revenir à la question de votre ami, donc c'est ça, c'est le président de la République qui, comment dire, à la suite du décès, excusez-moi, c'est le président de l'Assemblée nationale qui, à la suite du décès du président de la République, ou bien à la suite d'une maladie grave rendant impossible l'exercice des fonctions du président de la République, ou bien lorsque le président de la République perd, on peut entre guillemets, la tête, donc lorsque ses facultés mentales sont atteintes. À partir de ce moment-là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui gère l'intérim pendant une durée pouvant aller de 2 à 3 mois. Donc, entre 60 et 90 jours pour organiser de nouvelles élections. Alors, donc, je crois que c'était la réponse à votre question. Alors, je disais tantôt que l'expérience de succession par interruption, n'est-ce pas, a été connue aux États-Unis, n'est-ce pas? Et c'est réalisé en Afrique, au Botswana, comment dirais-je, au Kenya, ainsi de suite, ainsi de suite. En dehors de l'hérédité, il y a ce qu'on appelle la cooptation. Cooptation, c'est quoi? C'est lorsque c'est le président lui-même qui choisit son successeur. Et là aussi, au Sénégal, on en a connu. On en a connu en 1981. 1er janvier 1981. Donc, lorsque Senghor quittait le pouvoir, il a installé le président Abdou Diouf, n'est-ce pas, sur le fauteuil présidentiel. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu, n'est-ce pas, la succession par cooptation. Donc, au lieu que de nouvelles élections, au lieu que le président démissionne et que l'on organise de nouvelles élections, alors le président de la République, n'est-ce pas, a choisi parmi son entourage. Celui, n'est-ce pas, qu'il juge être apte, celui qu'il juge être apte à, comment dirais-je, prendre les rênes du pouvoir en la personne de Abdou Diouf, n'est-ce pas, pour l'installer dans celui-ci. Mais il faut reconnaître que c'est des cas, n'est-ce pas, rarissimes, c'est des cas relativement rares. Alors, toujours dans le domaine de la cooptation, si vous allez aux États-Unis, il y a un système politique qui permet de manière indirecte, si vous voulez, la cooptation. Vous savez, en Afrique, aux États-Unis, le président de la République, le candidat aux élections présidentielles, il part avec 2 tickets. 2 tickets, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aux États-Unis, quand vous êtes candidat aux élections présidentielles, je veux dire, vous devez, n'est-ce pas, partir aux élections en même temps que celui qui va être votre vice-président. Okay. Alors, dans l'histoire américaine, il est arrivé que 9 vice-présidents succèdent au pouvoir à la suite du décès ou bien à la suite de la démission du président. Okay.
Alors, autre chose aussi, certes, vice-président ou ancien vice-président sont devenus présidents par les élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez aux États-Unis des personnes qui ont été vice-présidents, donc qui ont été deuxième candidat à la suite, n'est-ce pas, d'un président, et qui peut-être dans d'autres élections seront élus président de la République. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Et le professeur, comment dirais-je, comment il s'appelle encore? Alors, mon patron, je n'ai pas le droit d'oublier le nom de mon patron. Alors, le professeur, docteur Abdelkader, n'est-ce pas, a eu, comment dirais-je, la clairvoyance même, n'est-ce pas, d'arrêter, comment dirais-je, d'annoncer cet état de fait-là avant, n'est-ce pas, que cela ne se réalise. Parce qu'il a su dire dans son cours qu'il n'est pas exclu que Joe Biden, qui était vice-président en un certain moment donné de l'histoire, n'est-ce pas, devienne président, et c'est ce qui s'est, n'est-ce pas, effectivement réalisé. Donc, ce que nous venons de dire, mesdames et messieurs, on va un peu résumer. On a parlé des modes non démocratiques d'accession au pouvoir. On en a identifié trois. Il y a, comment dirais-je, les coups d'État, donc l'accès par la force. Il y a l'hérédité, il y a la cooptation. Les coups d'État, comme vous l'avez dit, c'est lorsque les militaires s'emparent du pouvoir de manière très simple. La cooptation, c'est quoi? C'est lorsque c'est le président lui-même qui, au moment de partir, désigne son succession, comme l'avait fait le président Senghor avec le président Abdou Diouf. Enfin, l'hérédité, c'est quoi? C'est une succession qui se fait, par exemple, de père en fils et de frère en frère. Donc, pour résumer très rapidement, mesdames et messieurs, voilà, n'est-ce pas, ce que j'ai pu dire depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant. Alors, je crois que peut-être ça peut aider ceux qui jugent que, n'est-ce pas, le déroulement du cours est un peu trop rapide. Alors, on va parler de l'accès démocratique au pouvoir. L'accès démocratique au pouvoir aujourd'hui se fait par le biais des élections. Mais avant d'en venir sur les détails concernant les élections, puisque nous parlons de l'accès démocratique, on va d'abord nous intéresser à la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Alors donc, on va définir, comment dirais-je, la démocratie. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, du point de vue juridique, n'est-ce pas, renvoie à l'état de droit. Donc, système politique dans lequel le pouvoir politique est lui-même soumis au droit. Dans un état de droit, même l'État doit respecter le droit. Alors, du point de vue politique, la démocratie renvoie, n'est-ce pas, à la fameuse formule d'un ancien président américain, c'est-à-dire Abraham Lincoln, qui, dans son fameux discours de Gettysburg, n'est-ce pas, disait que la démocratie, c'est ceci: gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. OK? Mais vous conviendrez avec moi que c'est une décision, que c'est une définition assez séduisante, mais dans la réalité, n'est-ce pas, on a tout à fait autre chose. Parce que la démocratie est en quelque sorte un idéal. La démocratie est quelque sorte une utopie. Alors, la démocratie est quelque chose vers laquelle peut-être on tend sans jamais l'atteindre, tel que l'a admis Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, qui disait que seul un peuple de Dieu peut pratiquer la démocratie. Et s'il existait, n'est-ce pas, un peuple de Dieu quelque part dans le monde, n'est-ce pas, ce peuple-là peut-être arriverait à réaliser la démocratie pleine et entière. Alors, les formes de la démocratie. Il y a ce qu'on appelle la démocratie directe, la démocratie semi-directe et la démocratie représentative. C'est quoi la démocratie directe? La démocratie directe, c'est lorsque, comment dirais-je, le pouvoir est exercé directement par le peuple. La démocratie directe renvoie à la souveraineté populaire. La démocratie directe, comme je viens de le dire, c'est lorsque c'est le peuple qui, sans intermédiaire,
exerce directement le peuple. Autrement dit, quand c'est nous les 13 millions Sénégalais, quand c'est nous les 14 millions Sénégalais qui disons que nous n'avons pas besoin, le pouvoir nous appartient, nous n'avons pas besoin de Macky Sall pour l'exercer, nous n'avons pas besoin du Parlement pour l'exercer, nous allons l'exercer directement. Mais est-ce que dans la réalité c'est possible? Question légitime. Alors nous allons le voir. La démocratie directe a été effectivement fait l'objet d'expérimentations. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes politiques qui ont expérimenté, qui ont fait l'expérience de la démocratie directe. Mais il faut dire que c'est relativement rare. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, la pratique de la démocratie directe à l'état pur est quasiment impossible. Donc, dans l'histoire, vous tous, à travers vos cours de terminale, alors vous avez un peu, n'est-ce pas, eu connaissance de la Grèce antique, n'est-ce pas, et notamment, n'est-ce pas, de la cité, n'est-ce pas, athénienne. Vous savez, à Athènes, il y avait une démocratie directe. Pourquoi il y avait une démocratie directe? Parce qu'à Athènes, pour prendre une décision, tout le peuple se réunissait sur la place publique pour discuter, pour tomber d'accord, pour trouver un consensus sur une question. Mais cela était possible à Athènes parce qu'Athènes n'était pas assez peuplée. Non seulement Athènes n'était pas assez peuplée, mais aussi les femmes ne participaient pas à la prise de décision et les esclaves ne participaient pas à la prise de décision. Seuls les hommes libres participaient à la décision. Donc, vous voyez même à Athènes combien il est difficile, n'est-ce pas, de réaliser la démocratie directe. Toujours est-il que dans l'histoire, il est connu, n'est-ce pas, qu'à un certain moment donné de l'histoire, à Athènes, on pratiquait la démocratie directe. Pourquoi dit-on qu'à Athènes, on pratiquait la démocratie directe? Parce que pour prendre des décisions, on n'avait pas besoin de passer par des autorités. Pour prendre une décision, on convoquait tout le peuple, en fait, tous les hommes libres du peuple à la place publique pour délibérer et prendre une décision. Mais cela n'existe plus, bien évidemment, même à Athènes. Aujourd'hui, encore en Suisse, dans quelques provinces, trois provinces, alors, dans quelques provinces suisses aujourd'hui, subsistent encore des éléments de la démocratie directe. OK? Alors, c'est tellement difficile que ce n'est pas réalisable dans les États comme les nôtres, dans les États modernes aujourd'hui, comme un petit pays comme le Sénégal, où on a 14 à 15 millions d'habitants. Mais c'est une pratique qui a été effectivement réalisé à Athènes. Et c'est une pratique qui aussi subsiste dans quelques cantons en Suisse. OK? Ou même les citoyens peuvent par la voie de pétition. Aujourd'hui, le citoyen suisse peut par la voie de pétition, n'est-ce pas, qui regrouperait un certain nombre de signatures, faire arriver, n'est-ce pas, à imposer le vote d'une loi, etc., etc. Mais toujours est-il que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que cette forme de démocratie-là, n'est-ce pas, elle est utopique, donc elle n'est pas réalisable à l'échelle, n'est-ce pas, des États d'aujourd'hui, n'est-ce pas, où on a des millions d'habitants. Alors, la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est la forme moderne de la démocratie. C'est celle que nous pratiquons, c'est celle que pratique la France, c'est celle que pratiquent les États-Unis, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi démocratie représentative? Parce que tout le monde est d'accord que le titulaire du pouvoir, celui à qui appartient au pouvoir, c'est le peuple. Tout le monde est d'accord sur ça. Mais est-ce que le peuple peut effectivement exercer le pouvoir? Non, le peuple ne peut pas effectivement exercer le pouvoir. C'est pour cela qu'on a créé, n'est-ce pas, la représentation. C'est comme si, par exemple, nous les Sénégalais, 14 à 15 millions d'habitants. Normalement, le pouvoir nous appartient en tant que peuple. Mais nous savons effectivement que les 15 millions de Sénégalais ne peuvent pas en même temps exercer le pouvoir. C'est pour cela qu'on a créé le mécanisme de la représentation en confiant, n'est-ce pas, en déléguant nos pouvoirs à un certain nombre de personnes, à savoir, n'est-ce pas, au président de la République et aux députés. Donc, c'est comme cela qu'il faut comprendre le mécanisme de la représentation ou la démocratie représentative. Encore une fois, dans les États modernes aujourd'hui,
qui polarise des millions d'habitants, le peuple n'a exercé directement le pouvoir. C'est pour cela que le peuple passe par des représentants. Et ces représentants-là exercent le pouvoir à la place du peuple. Tout ce que le peuple peut faire, par contre, c'est de désigner. Ceux qui exercent le pouvoir aujourd'hui, ils ne l'exercent pas parce qu'ils le veulent, ils ne l'exercent pas parce qu'ils sont les plus riches, ils ne l'exercent pas parce qu'ils sont les plus intelligents, ils l'exercent parce que le peuple, comment dire, le leur a confié. Parce que c'est le peuple qui a choisi par des votes qui sera le président de la République. C'est le peuple qui a choisi, n'est-ce pas, par un vote, n'est-ce pas, qui doit être maire. C'est le peuple qui a choisi par un vote qui doit être représentant, n'est-ce pas, parlementaire, qui doit être député à l'Assemblée nationale. OK? Donc, je répète, une démocratie représentative est une démocratie dans laquelle les citoyens, les électeurs choisissent et élisent. Et élisent ceux qui sont censés les représenter. OK? Alors, donc, comment dire, la Constitution sénégalaise, n'est-ce pas, consacre un tel système en disposant, à son article 3 de la Constitution, que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants. OK? Le peuple, le pouvoir, donc, appartient au peuple, mais le peuple l'a confié à ses représentants, à savoir aux élus pour, n'est-ce pas, comment dirais-je, les représenter. OK, donc là, on peut considérer, comment dirais-je, la représentation comme étant, comment dirais-je, une conséquence ou bien une forme de la démocratie indirecte. Alors, les conséquences de la démocratie représentative, c'est quoi? Démocratie représentative, on parle de mandat impératif. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir sur la démocratie semi-directe? Non, je ne vais pas y revenir parce que je n'y suis pas encore venu. Alors, on revient sur une chose sur laquelle on est venu. Alors, la démocratie semi, comment dirais-je, la démocratie semi-directe, on n'en a pas encore parlé. Donc, on en parle là. Donc, heureusement, alors pour vous, Maman Cissé. Alors, les conséquences de la démocratie directe. Oui, au Sénégal, on pratique, comme Andrés Dixen, au Sénégal, on pratique la démocratie représentative. Parce que je l'ai dit dans mon exemple, que les 14 millions de Sénégalais que nous sommes ne peuvent pas effectivement exercer le pouvoir qui, cependant, nous appartient. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, on a créé le mécanisme de la représentation, donc le mécanisme de la délégation de pouvoir. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de déléguer le pouvoir qui nous appartient au président Macky Sall, n'est-ce pas, et aux députés. Alors, les conséquences de la démocratie est représentative. Alors, dans la démocratie représentative, on dit que le mandat est représentatif et non impératif. Ça veut dire quoi? La différence entre un mandat représentatif et un mandat impératif, ça veut dire quoi? Vous savez, aujourd'hui, quand on élue une personne dans une démocratie représentative, où le mandat est représentatif, quand on élue une personne qui doit exercer le mandat pour 5 ans, une fois que l'électeur élu le représentant, l'électeur ne peut rien contre le représentant tant que dure, comment dirais-je, le mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller trouver Macky Sall dans son palais, le prendre par la main pour lui dire, écoutez, monsieur Macky Sall, nous vous avons élu, mais vous ne nous représentez pas dignement, donc nous allons vous remplacer. Ou bien aller aux députés, nous avons élu pour que vous régliez nos problèmes, mais visiblement, vous vous occupez peut-être de vos propres intérêts personnels, donc ôtez-vous là, nous allons élire d'autres députés. Non. La démocratie représentative ne le permet pas, puisque le mandat est représentatif. Une fois élu, le représentant est libre. Maintenant, par contre, ce que l'électeur peut faire, c'est garder sa carte, attendre jusqu'à la fin de son mandat, comme on en fait, n'est-ce pas, il y a quelques semaines,
le dimanche 23 décembre 2021. OK? Alors, donc, je répète, dans la démocratie représentative, on est dans le cadre d'un mandat représentatif. Ou une fois que vous allez élu votre député, une fois que vous avez élu votre président de la République, ce n'est pas vous maintenant qui va dicter au président de la République ou à lui sa conduite. Mieux, vous ne pouvez pas, en cours de mandat, remercier le président de la République, okay, reprendre le pouvoir parce qu'il ne vous représente pas bien. Tout ce que vous pouvez faire, peut-être si vous voulez sanctionner, c'est attendre que le président de la République, attendre que les députés, attendre que les maires terminent leur mandat. C'est ça, un mandat représentatif. Maintenant, au contraire d'un mandat représentatif, il y a ce qu'on appelle un mandat impératif. Alors, le mandat impératif permet, n'est-ce pas, aux citoyens, aux électeurs, qui ne sont pas satisfaits de leurs représentants, n'est-ce pas, de le révoquer, c'est-à-dire de mettre fin à son mandat et de désigner, n'est-ce pas, une autre personne. Donc, je répète, le mandat impératif permet à l'électeur d'interrompre le cours du mandat de l'élu ou bien des élus, n'est-ce pas, pour en choisir de nouveaux autres. Donc, c'est ça, principalement la différence entre le mandat impératif, n'est-ce pas, et le mandat représentatif. Alors, donc, vous avez posé la question, Maman Cissé, de savoir quel est le sens de la démocratie semi-directe. Il y a l'idée de moitié. Une démocratie semi-directe, c'est une démocratie dans laquelle il y a les éléments d'une démocratie directe et les éléments d'une démocratie, n'est-ce pas, indirect. Donc, dans une démocratie, dans la démocratie semi-directe, il y a, dans une démocratie semi-directe, OK, il y a les éléments de la démocratie directe et les éléments de la démocratie représentative. Je donne un exemple. L'article 3 de la Constitution du Sénégal. L'article 3 de la Constitution du Sénégal dit que la souveraineté appartient au peuple. Excusez-moi. L'article 3 de la Constitution sénégalaise dit que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie de référendum. Cela veut dire quoi? La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants, c'est une démocratie représentative, ou par la voie de référendum, c'est une démocratie directe. Donc, l'article 3 de la Constitution dit en ces termes que au Sénégal, c'est les représentants du peuple qui exercent la souveraineté. Donc, à partir de ce moment-là, on est dans le cadre d'une démocratie représentative, donc d'une démocratie indirecte. Parce que c'est nos députés, c'est notre président de la République qui exerce la souveraineté à notre place. Alors, mais plus loin, le texte ajoute ou par voie de référendum. Par voie de référendum, c'est lorsque c'est le peuple qui choisit directement. En ce qui concerne, par exemple, l'adoption d'un ordre législatif ou bien l'adoption d'une nouvelle constitution, c'est le peuple qui choisit de dire oui, nous adoptons et non, nous n'adoptons pas, et ça, et cela de manière directe. Donc, comment dirais-je, Maman Cissé, en résumé, une démocratie semi-directe, c'est une démocratie dans laquelle on a des éléments de la démocratie représentative et des éléments de la démocratie, directe. Alors, toutes les fois que dans une démocratie, on admet le référendum, on peut parler quelque part d'une démocratie semi-directe. Parce que si on appliquait totalement la démocratie représentative
toutes les lois allaient être votées par l'Assemblée, donc par le Parlement. Toutes les référendums, on n'aurait pas besoin de référendum puisque toutes les constitutions allaient être peut-être votées et adoptées par les représentants. Mais dans la mesure où on a permis au peuple, n'est-ce pas? Mais voilà. Excusez-moi, bon, vraiment, c'est très difficile. Hein? C'est très difficile de faire un cours. Le cours a été interrompu. Pourquoi? Parce qu'il y a un étudiant qui devrait faire ce cours-là. Donc, un étudiant de promo 8, alors qu'il m'appelle. Alors que je fais cours avec. Je partage mon téléphone. C'est très compliqué, hein? Excusez-moi pour cette interruption. Donc, pour les responsables, pour les étudiants, n'est-ce pas, qui ont mes contacts de grâce, et c'est valable aussi pour tous les tuteurs, n'appelez pas aux heures de cours. Vous avez quelque chose d'urgent, écrivez un message sur un message SMS ou WhatsApp. Certainement, on pourra voir et après, n'est-ce pas, lire. Mais quand vous appelez comme ça en plein cours, alors cela fait ce que cela fait. Alors, donc, je continue. Je parlais un peu, n'est-ce pas, de la démocratie semi-directe, qui n'est rien d'autre, n'est-ce pas, qu'un mélange d'éléments de la démocratie directe et d'éléments de la démocratie, n'est-ce pas, indirecte. Et comment dirais-je à la indirecte. Alors, après ces aspects-là sur, n'est-ce pas, les types de démocratie, alors on peut d'ores et déjà, OK, parler, n'est-ce pas, du référendum. Le référendum qui est une vote, mais, n'est-ce pas, un système particulier, n'est-ce pas, de vote. Dans quel pays est appliquée la démocratie semi-directe? Elle est appliquée au Sénégal, elle est appliquée en France, elle est appliquée dans tous les pays où on a, comment dirais-je, le référendum, on peut dire qu'il existe une démocratie semi-directe. Elle est appliquée en Suisse, parce qu'en Suisse, on a des éléments, n'est-ce pas, de la démocratie directe et des éléments, n'est-ce pas, de la démocratie représentative. Alors, le référendum qui n'est-ce pas un système de votation assez particulier. Dans le référendum, vous le savez parce que vous avez participé, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre à un référendum. Alors, même si vous n'êtes pas allé voter quand même, vous êtes témoin et vous avez été là, n'est-ce pas, au jour du vote, n'est-ce pas, du référendum, n'est-ce pas, comment dirais-je, de mars 2016. Alors, le référendum, je le dis, est un système de vote dans lequel il appartient aux électeurs, n'est-ce pas, de répondre par oui ou par non, n'est-ce pas, sur un texte. Cela veut dire quoi? Par exemple, on veut faire entrer en vigueur une nouvelle constitution, on veut élaborer une nouvelle constitution. Et on se dit, pour une matière aussi fondamentale que la constitution, le peuple doit être initié. On élabore un texte et on convoque le peuple, n'est-ce pas, pour valider. On convoque le peuple pour valider ou invalider, n'est-ce pas, le texte. C'est ce qu'on appelle un référendum. Maintenant, le référendum peut être confondu avec le plébiscite. Pourtant, c'est des systèmes de votation qui ont des sens différents. Alors, dans le plébiscite, alors, la question qui est soumise, la question qui est posée, je veux dire, concerne une personne. Le plébiscite, par exemple, c'est un système d'élection dans lequel, c'est un mode d'élection dans lequel, alors le président Macky Sall dit aux Sénégalais, est-ce que vous êtes d'accord sur ma personne ou pas? Donc là aussi, on répondra par oui ou par non. Peut-être que si les non remportent, le président va démissionner. Donc, c'est ça la différence fondamentale entre un référendum et un plébiscite.
Donc, le référendum, le contenu du référendum, ce qu'on valide ou invalide dans le cadre d'un référendum, c'est un ensemble de textes, c'est des lois, c'est des constitutions, ainsi de suite, où le peuple va dire que oui, nous sommes d'accord et non, nous ne sommes, ou non, nous ne sommes pas d'accord. Mais dans le cadre d'un plébiscite, il s'agit de dire si nous sommes oui ou non d'accord, non pas sur un texte, non pas sur une loi, non pas sur la constitution, mais sur, n'est-ce pas, une personne. OK? Alors, mais il y a, comment dirais-je, une certaine limite, n'est-ce pas, dans le cadre de la distinction entre référendum et plébiscite. OK? Parce que, comment dirais-je, la personne qui vient poser la question, par exemple, dans le cadre du référendum du 20 mars de 2000, comment dirais-je, 2016, alors, le président de la République qui a été à l'origine, n'est-ce pas, de ce référendum-là, alors, quelque part, il ne peut pas se démarquer du texte, si bien que, par exemple, le militant de Macky Sall se dira que forcément voter oui au référendum, c'est voter pour Macky Sall, c'est soutenir Macky Sall. Et cela est d'autant plus vrai que dans l'histoire constitutionnelle de la République française, le président, comment dirais-je, le général de Gaulle, président de la République, n'est-ce pas, française, avait initié un référendum. OK? Mais lorsque, comment dirais-je, le non l'a emporté sur le oui, n'est-ce pas, il a démissionné parce qu'il n'était pas obligé, mais il a considéré le fait que les électeurs français, OK, répondent par oui, par non, du moins majoritairement à son référendum, ça veut dire que quelque part, n'est-ce pas, il n'est plus légitime. Ça veut dire que quelque part, il n'a pas le soutien du peuple, n'est-ce pas? Et à partir de là, n'est-ce pas, il a pu en tirer toutes les conséquences et démissionner. Alors là, je le dis et je le répète, rien ne l'obligeait à le faire, mais c'est une lecture qu'il a faite, n'est-ce pas? Du moment que, en fait, le peuple rejette, comment dirais-je, mon projet de référendum, du moment que le peuple répond, comment dirais-je, négativement à mes projets, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, j'en fais une lecture. Et la lecture que j'en fais, c'est quoi? C'est que je ne suis plus légitime aux yeux du peuple. Alors, le peuple n'adhère pas à ma politique, je n'ai pas un soutien populaire. Et à partir de là, moi, général de Gaulle, je dois en tirer toutes les conséquences. En tirer toutes les conséquences, c'est quoi? C'est démissionner. OK? Alors, Khemis Diouf, qu'est-ce qu'une initiative référendaire? On va répondre après Khemis, hein, parce qu'on va en parler. Alors, le référendum, il y a différents types de référendum, OK? Le référendum constituant ou référendum, comment dirais-je, législatif. OK? Alors, dans le cadre d'un référendum, n'est-ce pas, comment dirais-je, constituant. OK? Il s'agit, n'est-ce pas, peut-être de poser une nouvelle constitution. OK? Ou de modifier, n'est-ce pas, une nouvelle constitution. OK? Alors, si vous prenez l'exemple de beaucoup de pays, alors, l'adoption ou la modification de la constitution se fait obligatoirement par voie de référendum. Prenez l'exemple de la Suisse, prenez l'exemple de l'Autriche, prenez l'exemple de l'Irlande, prenez l'exemple de l'Australie, prenez l'exemple de l'Espagne. On ne peut pas modifier la Constitution, on ne peut pas réviser la Constitution sans passer par référendum. OK? Alors, si vous prenez un pays comme le Sénégal, le référendum constituant est prévu. Il est prévu par deux articles de la Constitution, article 51 et article 103. Mais le fait au Sénégal de recourir au référendum, c'est-à-dire le fait de convoquer le peuple pour réviser la Constitution, c'est facultatif. Je veux dire, ça appartient discrétionnairement au président de la République. Si le président de la République le veut, il peut décider de recourir au référendum pour réviser la Constitution. Si le président de la République ne le sent pas, il peut passer directement, n'est-ce pas, par l'Assemblée, n'est-ce pas, pour une révision, n'est-ce pas, comment dirais-je, pour une révision de la Constitution. Alors ça, c'est le référendum constituant. Donc, le référendum constituant ou constitutionnel permet de réviser
n'est-ce pas, la Constitution. Qu'en est-il alors du référendum, comment dirais-je, législatif? Alors, avant de passer à la question de savoir qu'est-ce qu'une initiative référendaire, question de Hermès Diouf, une initiative référendaire, n'est-ce pas, ça pose la question de savoir qu'est-ce qui peut prendre la décision d'aller au référendum. L'initiative référendaire pose la question de savoir qu'est-ce qui peut juger de l'opportunité ou bien qu'est-ce qui peut prendre la décision de convoquer le peuple au référendum. Cela dépend du système. Au Sénégal, c'est le président de la République. OK? Ailleurs, c'est le président de la République, n'est-ce pas, et l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Ça dépend, n'est-ce pas, des systèmes. Alors, donc le référendum législatif permet au peuple d'adopter directement une loi sans passer par ses représentants. Pourquoi dit-on que le référendum est une manifestation du droit fondamental? Parce que tout simplement, la souveraineté appartient au peuple. Et le référendum, c'est quoi? Alors, en posant au référendum, on permet au peuple de décider directement. Parce qu'on pouvait le faire, en passant uniquement par les représentants. On pouvait faire un référendum par les moyens de la démocratie représentative, puisqu'on a un président de la République qui nous représente, puisqu'on a un parlement qui nous représente. On pourrait dire oui que la Constitution, n'est-ce pas, les décisions sont de la compétence des autorités politiques, donc des pouvoirs publics, et le peuple n'a rien, n'est-ce pas, à y faire. Mais le fait que l'on puisse être en mesure de soumettre un projet de constitution au peuple pour lui demander de le valider et de l'invalider, c'est une manifestation, n'est-ce pas, du droit fondamental, parce qu'en définitive, on permet au peuple à qui appartient, n'est-ce pas, le pouvoir, à qui appartient la souveraineté, de décider de manière direct. Alors, monsieur, si le juge l'emporte, le président démissionne. Non, le président ne démissionne pas. En tout cas, la Constitution ne l'oppose pas. La Constitution ne le dit pas. La conséquence d'un référendum, si, comment dirais-je, le peuple répond majoritairement par non, c'est que le texte ne passe pas, c'est que la nouvelle constitution n'entre pas en vigueur. OK? Par exemple, je donne un exemple. En 2016, lorsque Macky Sall a initié des réformes, OK? À travers, un référendum. Et lorsqu'on a convoqué le peuple pour se prononcer, le peuple, n'est-ce pas, s'est prononcé, n'est-ce pas, favorablement. Pour la Constitution. À partir de ce moment-là, la modification de la Constitution est actée. Mais si le peuple avait répondu, je veux dire majoritairement par non, donc ce projet de révision-là allait être, rejeté. Donc c'est ça le sens du non et le sens du oui. Donc dans l'exemple que j'ai donné à travers le général de Gaulle, alors, j'ai bien dit que ni la Constitution, ni la loi, ni aucune, aucun texte ne le prévoyait. OK? Donc, c'est le général de Gaulle qui a fait une lecture de la situation et qui a jugé nécessaire de démissionner. Alors, vous savez aussi, les questions, doivent être en corrélation avec le cours. Ce n'est pas parce que l'on fait du droit constitutionnel qu'on peut poser n'importe quelle question. Alors, à la question de savoir, Soukaïso, est-ce qu'on parle de système monocaméralisme? Quand est-ce qu'on parle de système monocaméralisme et celle de bicaméralisme? Alors, on aurait dû poser la question dans le cadre des régimes politiques, mais quand même, on va y répondre. Mono, bi, mono, un seul, bi, deux. Monocaméralisme, c'est lorsqu'on est dans un système
politique où dans le Parlement, on a une seule chambre. Par exemple, au Sénégal, au Parlement, on a des députés, on n'a plus le Sénat, on n'a plus des sénateurs, on a un système monocaméral. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Grande-Bretagne, OK? Si vous allez quelque part en Afrique, au Nigeria, par exemple, où on a des députés et des sénateurs. Aux États-Unis, vous avez entendu parler, au moins dans les TD, dans le cadre, comment dirais-je, du régime présidentiel, on parle de Congrès. Le Congrès, c'est qui? Je veux dire, c'est les représentants du peuple et les sénateurs qui représentent les États. Donc, à chaque fois que vous avez un Parlement doublement composé, comme on en avait au Sénégal avant l'arrivée du président Macky Sall, parce que le président Abdoulaye Wade avait instauré le Sénat. Ce qui fait que, à son temps, jusqu'en 2012 et jusqu'en 2014, si je m'abuse, alors il faut vérifier, on avait un Parlement bicaméral dans la mesure où on avait deux chambres, on avait des députés et des sénateurs. Et maintenant, l'un des premiers actes de Macky Sall, c'est de supprimer, n'est-ce pas, le Sénat. OK? Donc, de manière très résumée, Soukaï Sow, on parle de monocaméralisme quand le Parlement est uniquement composé, n'est-ce pas, d'une seule chambre, et le bicaméralisme quand le Parlement est composé, n'est-ce pas, de chambres. Alors, y a-t-il un référendum obligatoire? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a des pays où vous ne pouvez pas modifier la Constitution sans passer par les référendums. Okay? Donc, si ce que vous appelez un référendum obligatoire, oui. Alors, est-ce que le président peut demander un vote référendaire, directement, n'est-ce pas, au peuple, sans passer par l'Assemblée? Non, le président doit consulter. Le président de la République, avant d'aller en référendum, doit consulter, n'est-ce pas, le Parlement et le Conseil constitutionnel. OK? Mon nom Ansel, merci. Quelle est la différence entre démocratie directe et démocratie indirecte? Alors, vous pouvez, parce qu'on ne peut pas aussi revenir éternellement sur les questions, hein, donc je vous invite à dire Maman Diouf à revenir sur comment les enregistrements et à revoir le cours. Hein. Donc, c'est pas par... C'est parce qu'aussi, on ne peut pas constamment revenir sur des choses sur lesquelles, n'est-ce pas, on s'est largement, n'est-ce pas, étendu. Alors, dans la Constitution sénégalaise, n'est-ce pas, article, 51, n'est-ce pas, et article, 103, OK? Alors, il est clairement, indiqué les autorités qui peuvent, n'est-ce pas, initier le référendum. Alors, au Sénégal, on l'a dit, n'est-ce pas, c'est le président, n'est-ce pas, de la République ou le Parlement. Alors, il y a ce qu'on appelle l'initiative d'en haut, le référendum d'initiative d'en haut et le référendum d'initiative d'en bas. Le référendum d'initiative d'en haut, comme son nom l'indique, c'est très simple. C'est quand l'initiative vient des autorités. C'est quand les autorités qui décident qu'on doit aller en référendum et que le peuple se prononce. Donc, la décision vient d'en haut. C'est pour cela qu'on dit que c'est un référendum à l'initiative des autorités publiques. OK? Alors, l'initiative de recourir au référendum appartient au pouvoir public. Qui sont les pouvoirs publics, c'est notamment le président de la République et le Parlement. OK? Alors, le référendum à l'initiative du président de la République est l'initiative la plus répandue. Le référendum qui est à l'initiative du président de la République, n'est-ce pas, est le modèle le plus répandu que l'on trouve d'ailleurs, n'est-ce pas, dans beaucoup de
C'est vrai que je viens de dire une bêtise, hein. Donc, au Sénégal et la France, c'est le président de la République exclusivement, n'est-ce pas, qui a l'initiative référendaire. OK, même si en France, n'est-ce pas, comment dirais-je, le gouvernement peut faire la proposition au président de la République. Mais je répète, au Sénégal et en France, n'est-ce pas, la décision de recourir au référendum appartient exclusivement au président, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, au président de la République et en France également. Alors, vous savez, depuis, comment dirais-je, une révision constitutionnelle de 2008, donc depuis 2008, on a créé ce qu'on appelle comment dirais-je, le référendum d'initiative partagée. Le référendum d'initiative partagée, n'est-ce pas, en France. Qu'est-ce que cela veut dire? OK? Cela veut dire en France, on a admis maintenant, n'est-ce pas, qu'un référendum puisse provenir à la fois des parlementaires et des peuples. Donc, l'initiative qui vient des parlementaires, n'est-ce pas, doivent avoir une adhésion populaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, sur ce fondement-là, il ne faut pas que les parlementaires aient la volonté d'aller en référendum, mais il faut que le peuple manifeste son soutien à ce référendum-là. Alors, et pour le comprendre, il faut interroger l'article 11. Alors, l'article 11 de la Constitution française, OK, et qui prévoit que la proposition de loi doit émaner d'un cinquième au moins des membres du Parlement, mais cela ne suffit pas. Il faut en plus qu'il y ait un dixième des électeurs inscrits sur la liste électorale. Donc, je reviens sur ce que je disais concernant une évolution de la Constitution de la France, évolution qui s'est opérée depuis 2008. Depuis 2008, en France, on a admis ce qu'on appelle un référendum d'initiative partagée. Et dans le cadre du référendum d'initiative partagée, il faut que la proposition de loi, n'est-ce pas, provienne du Parlement. OK? Mais d'un cinquième des membres du Parlement. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'en sus de cela, donc il faut qu'en plus de cela, n'est-ce pas, qu'un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, n'est-ce pas, soutiennent cette initiative. Alors, on avait parlé de référendum d'en haut ou référendum d'initiative, comment dirais-je, des pouvoirs publics. Alors maintenant, on va parler de l'inverse, c'est-à-dire des référendums d'en bas, référendum d'initiative populaire, donc une initiative qui vient du peuple. Alors donc, le Sénégal est exclu de ce système-là. Le Sénégal n'adopte pas ce système-là, le Sénégal ne permet pas ce système-là. Mais vous pouvez avoir un certain nombre d'États, un certain nombre de démocraties où, par exemple, le citoyen peut être à l'initiative, n'est-ce pas, du référendum. Alors, l'initiative du référendum peut provenir du peuple. Donc, le peuple, quelques éléments du peuple, ou bien un seul citoyen, est à l'origine d'une proposition de loi. Donc, comment ça se passe? Un citoyen qui voit que les choses doivent changer. Et pour changer les choses, il faut passer par une loi. Ce citoyen initie une pétition. Il sensibilise des personnes. OK? Il fait signer, n'est-ce pas, la pétition à des personnes. OK? Et au fur et à mesure, cette volonté-là qui est exprimée dans le cadre, n'est-ce pas, de la pétition peut devenir une loi. Ça existe en Suisse, ça existe en Italie, ça existe, n'est-ce pas, aux États-Unis, mais au niveau local. Alors, en Afrique aussi, il y a le Burkina qui pratique, n'est-ce pas, ce type de référendum. Au Burkina, un citoyen qui initie une pétition et qui arrive à réaliser 15 000 pétitions, OK, pour faire passer, n'est-ce pas, le contenu de cette pétition-là en forme de projet de loi. Et cela peut être, n'est-ce pas, voté et devenir, n'est-ce pas, comment dirais-je, une loi
en bonne et due forme qui figure dans l'ordonnancement juridique. Une pétition, c'est quoi, maman? Une pétition, un exemple très simple. Alors, vous pensez qu'à l'UVS, par exemple, chaque étudiant doit alors disposer d'une bourse. Ce n'est pas encore le cas. Vous portez ce programme, vous sensibilisez des personnes, vous faites le tour des élèves, vous faites signer, par exemple, à des milliers, comment dirais-je, d'étudiants le texte qui dit que voilà, tout étudiant inscrit à l'UVS doit avoir une bourse. C'est ce texte et le plaidoyer que vous faites, n'est-ce pas, pour l'adoption du texte qui construit une pétition. Maintenant, une fois que vous voyez qu'il y a, par exemple, 6 000 étudiants, ce n'est pas rien. 6 000 étudiants de l'UVS qui signent cette pétition-là, à partir de ce moment-là, vous pouvez, par exemple, à travers les signatures de ces étudiants, mettre un peu la pression sur les gouvernants, mettre la pression sur le ministre de l'Enseignement supérieur, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, ce que vous avez, comment dirais-je, poussé sur papier en forme de pétition, puisse, n'est-ce pas, être prise en compte et puisse même, pourquoi pas, devenir une loi. Donc, une pétition, n'est-ce pas, c'est cela. Une pétition, c'est une volonté, c'est une aspiration, ok, c'est une revendication, n'est-ce pas, qui fait l'objet d'un texte, n'est-ce pas, et à propos desquels on recueille des signatures, n'est-ce pas, et si on arrive vraiment à obtenir un nombre critique de signatures, n'est-ce pas, ça peut, par exemple, faire que l'auteur de la pétition, n'est-ce pas, arrive à imposer un peu sa volonté, ou bien en tout cas, faire de sorte que sa volonté soit prise en compte. Alors, il y a trois types de référendums, comment dirais-je, d'initiative populaire, le référendum d'en bas. Il y a le référendum propositif, il y a le référendum suspensif, il y a le référendum abrogatif. Donc, je répète, en ce qui concerne le référendum d'en bas ou le référendum d'initiative populaire, on a trois modalités. Il y a le référendum propositif, il y a le référendum suspensif et il y a le référendum abrogatif. OK? Alors, le référendum propositif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les citoyens proposent le projet de loi et l'adoptent. Donc, dans le cadre du référendum propositif, c'est lorsque les citoyens proposent quelque chose qui n'était pas une loi. Les citoyens le proposent, les citoyens arrivent à l'imposer et à l'adopter. Dans ce cas-là, on parle de référendum propositif. Deuxième cas de figure, le référendum suspensif. Le référendum suspensif intervient dans le cadre d'une procédure législative. Une loi est en train d'être votée. Elle n'est pas encore entrée en vigueur. Les citoyens, par la voie d'un référendum, bloquent l'entrée en vigueur, n'est-ce pas, de cette loi. Donc, ils suspendent l'application de cette loi. OK? À supposer, par exemple, que les députés veulent, ou bien le gouvernement veut faire entrer une loi. Une loi à propos de laquelle, par exemple, la majorité des Sénégalais n'est pas d'accord. Bon, bien que, peut-être que ce n'est pas un bon exemple parce que ce type de référendum-là n'existe pas au Sénégal. Donc, supposer que dans un pays où le référendum d'initiative populaire est permis, que les pouvoirs publics, c'est-à-dire le gouvernement et les députés, ambitionnent, comment dirais-je, de créer une nouvelle loi, mais que le peuple n'est pas d'accord contre cette loi-là. Et puisque le peuple n'est pas d'accord contre cette loi-là, le peuple agit. C'est-à-dire, la procédure est déjà enclassée, mais le peuple agit avant que la loi n'entre en vigueur pour suspendre l'application, n'est-ce pas, de la loi, donc pour bloquer l'entrée en vigueur de la loi. Et dernier type de cas de figure concernant le référendum d'en bas ou référendum à l'initiative populaire, c'est le référendum abrogatif. Alors, le référendum abrogatif intervient
quand la population initie un référendum pour abroger, pour faire disparaître, n'est-ce pas, pour supprimer, n'est-ce pas, une loi qui existait déjà. Donc, je répète, le référendum abrogatif est un référendum initié par le peuple ou bien par une partie du peuple qui vise non pas à faire entrer en vigueur une loi, non pas à suspendre l'application de la loi, okay, mais qui vise tout simplement à, comment dirais-je, supprimer, à abroger, n'est-ce pas, à remettre en cause, à annuler, n'est-ce pas, une loi qui existait déjà peut-être depuis 1960 ou depuis 1990 ou depuis seulement 2020. Alors, donc, on va, n'est-ce pas, parler un peu du dernier aspect de cette séquence, à savoir les modes d'accès au pouvoir par la voie démocratique, à savoir l'élection. Alors, je rappelle que le cours, et vous le savez, est non seulement enregistré, vous savez aussi, les cours magistraux ne permettent pas peut-être d'aller en profondeur, hein. Donc, c'est pour cela aussi, qu'il faut faire des TD. Alors, maintenant, ce qui est regrettable, c'est que dans les groupes de TD, alors, je donne l'exemple de là où j'interviens à Guédiouaï, des groupes de TD où on a un minimum, en tout cas pour ESI, où on a un minimum 80 étudiants et que 20 étudiants, n'est-ce pas, viennent. Ce qui veut dire, vous participez, comment dire, aux cours magistraux, vous assistez régulièrement aux cours magistraux, vous suivez, cela ne vous permet pas quand même, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, tous les éléments que vous devrez avoir. OK? Donc, pour parfaire votre compréhension du cours, il faut non seulement participer au TD, mais il faut aller au-delà. Aller au-delà, c'est quoi? C'est faire des recherches. Alors, c'est s'intéresser aux exercices qu'on vous donne, même si vous ne devez pas exposer, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il est malheureux qu'à l'UES encore, n'est-ce pas, les gens ne connaissent pas l'utilité des TD. Vous savez, même si vous lisez un peu, n'est-ce pas, l'entête qui figure au niveau de la plateforme des TD, alors vous verrez le règlement intérieur qui dit que, par exemple, un certain nombre d'absences, si vous vous absentez, par exemple, allez-y à l'ICAT, à l'IGB, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, si vous vous absentez au moins 4 fois, n'est-ce pas, les TD, vous ne pouvez pas faire examen. Alors, juridiquement, comment dirais-je, cela existe à l'UVS, mais l'application, alors, tarde. Hein. Moi, je suis très, très, très impatient. Alors, de voir, n'est-ce pas, l'application de cette règle, parce que les règles, encore une fois, sont faites pour être appliquées. Alors, les modes d'accès au pouvoir par la voie démocratique. Le mode principal d'accéder au pouvoir dans une société démocratique, c'est l'élection. OK? Donc, l'élection est la voie la plus démocratique, sinon la seule voie, n'est-ce pas, démocratique pour accéder au pouvoir. Alors, qu'est-ce que l'élection? Un auteur du nom de Jean-Claude Masclé l'a défini comme étant le procédé privilégié de légitimation du pouvoir. L'élection permet de légitimer le pouvoir. Aujourd'hui, si vous allez au Mali, aujourd'hui, si vous allez au Burkina, toute la question posée tourne autour de la légitimité du pouvoir. Un pouvoir qui ne procède pas des urnes n'est pas légitime. Un pouvoir qui n'a pas été choisi librement par les électeurs ne peut pas être considéré comme un pouvoir légitime. Donc, du point de vue de la théorie du droit constitutionnel, seul est légitime des représentants, n'est-ce pas, qui sont issus des urnes, donc des représentants qui sont choisis, n'est-ce pas, par les élections, législatives, par les élections, je veux dire libres et transparentes. Hein? Okay. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de démocratie sans élection. Il n'y a pas, comment dirais-je, d'autorité légitime, okay, sans élection. Et c'est l'élection qui donne aux représentants, n'est-ce pas, le pouvoir d'agir.
Alors aujourd'hui, je veux dire, les actes que pose le président Macky Sall, les actes que posent, n'est-ce pas, les députés du Sénégal, vous pouvez être d'accord, vous ne pouvez pas être d'accord, mais ils vont les prendre parce qu'ils sont légitimes. Ils ont une force, ils ont un pouvoir, n'est-ce pas, qui découle de l'élection. Parce que ce n'est pas vous qui critiquez les actes du président qui avait été choisi, mais les 14 millions de Sénégalais ont porté leur dévolu, ont choisi, n'est-ce pas, que ce soit, n'est-ce pas, ces personnes-là qui gouvernent en attendant des élections et en attendant peut-être de changer les choses. Alors, nous allons nous intéresser sur trois choses. D'abord, le titulaire du droit de vote. Ensuite, les caractères du droit de vote. Ensuite, les modes de scrutin. Et enfin, les conditions d'éligibilité. OK? Donc, titulaire du droit de vote. Le titulaire du droit de vote, c'est quoi? C'est la personne comme vous et moi qui dispose du droit de choisir. La personne qui a sa carte d'électeur. La personne qui, comment dirais-je, le dimanche 23 décembre passé, est allée dans son lieu de vote pour dire, par exemple, dans ma localité, c'est celui-là que je veux qu'il soit maire. Okay? Vous ne le dites pas oralement, mais vous le dites par le biais de votre carte, n'est-ce pas? D'électeurs. OK? Donc, le titulaire du droit de vote, c'est la personne qui dispose du pouvoir de choisir, la personne qui doit désigner. OK? Alors, ce titulaire-là, il choisit maintenant en fonction d'un certain nombre, n'est-ce pas, de critères. Alors, il y a des critères qui sont établis. Il y a des critères conventionnels, n'est-ce pas, à travers lesquels ou bien par le canal desquels le vote se fait. Alors, à ce niveau-là, on parle du mode de suffrage. Okay? Alors, il y a différents modes de suffrage. Il y a ce qu'on appelle le suffrage restreint et le suffrage universel. Le suffrage restreint, c'est restreint. Pourquoi c'est restreint? Parce que tout le monde ne peut pas voter. Dans le cadre du suffrage restreint, tout le monde ne peut pas voter. Le vote est limité. Le vote est réservé à un certain nombre, n'est-ce pas, de catégories de citoyens. Et dans le cadre du suffrage restreint, on va parler, n'est-ce pas, de suffrage censitaire et de suffrage capacitaire. Le suffrage censitaire, c'est quoi? Censitaire, dans le mot censitaire, vous avez cens qui veut dire argent. Le suffrage censitaire, n'est-ce pas, c'est un mode d'élection où les pauvres, n'est-ce pas, n'ont pas le droit de voix. OK? Alors, il fut un temps où, par exemple, en France, que par exemple, pour voter, n'est-ce pas, il faut, comment dirais-je, avoir un certain nombre de, comment dirais-je, de revenus qui vous permet de payer l'impôt. Et si vous ne payez pas l'impôt, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, voter. Vous ne pouvez pas voter. Il fut un temps également où les femmes n'avaient pas le droit de vote en France. Alors ça, peut-être on en parlera. Alors, il fut un temps où les femmes n'avaient pas le droit de vote en France. Ça aussi, on peut l'intégrer dans le cadre du suffrage restreint. Il y a ce qu'on appelle aussi le suffrage capacitaire. Le suffrage capacitaire, c'est un mode de suffrage dans lequel, pour pouvoir voter, il faut avoir un niveau de diplôme. Alors, c'est un système qu'on peut appeler comme étant élitiste. Seules les élites pouvaient voter. Donc, le suffrage censitaire est un suffrage dans lequel, pour voter, il faut avoir un certain niveau de revenu. C'est ça, le suffrage censitaire. Pour le suffrage capacitaire, pour voter, il faut avoir, n'est-ce pas, un niveau intellectuel. Il faut avoir des diplômes, etc., etc. OK? Donc, ces deux modes de suffrage-là, suffrage censitaire, suffrage capacitaire, entrent dans le mode d'un suffrage restreint. Alors, en dehors du mode de suffrage restreint, on peut parler de suffrage universel. Suffrage universel qui peut être direct ou indirect. Alors, suffrage universel, c'est un suffrage dans lequel tout le monde peut voter. Donc, aujourd'hui, le suffrage restreint, n'est-ce pas, est un peu dépassé.
Aujourd'hui, les femmes votent. Aujourd'hui, pour voter, on n'a pas besoin d'être riche ou pauvre. Aujourd'hui, pour vous voter, pour voter à l'entrée du bureau de vote, le président, le policier ou le président du bureau de vote ne vous demande pas votre niveau de diplôme. Il ne vous demande pas de justifier, votre niveau d'études par un diplôme, le diplôme du bac, par la licence, par le master, etc., etc. Aujourd'hui, le suffrage est devenu universel parce que tout le monde, n'est-ce pas, doit voter. Il est devenu universel, il est égal et secret. Égal et secret, ça veut dire quoi? On en viendra. Alors, égal et secret. Égal d'abord, ça veut dire que aussi bien les hommes et les femmes peuvent voter. OK? Alors, le droit de vote est égal pour tout le monde. Il est secret. Puisque vous avez au moins participé, alors je présume pour la plupart d'entre vous, dans un vote. Alors, vous voyez que pour voter, il faut obligatoirement aller dans l'isoloir et, n'est-ce pas, choisir. Vous ne pouvez pas après, et certains le font, mais c'est violer la loi, vous ne pouvez pas après faire des snaps et sortir, ou bien, n'est-ce pas, prendre une vidéo, ensuite la publier pour dire que j'ai voté pour tel candidat et rejeter, n'est-ce pas, les autres, n'est-ce pas, comment dirais-je, bulletins, jeter les bulletins dans la poubelle. Alors, suffrage universel direct, c'est un suffrage dans lequel tout le monde a un droit de vote. Mais aujourd'hui, quelle que soit l'étendue du suffrage universel, on note quand même une limite au caractère universel. OK? On note une limite au caractère universel. Avant, aujourd'hui, il y avait des limites historiques, c'est-à-dire des limites qu'on a connu dans l'histoire, mais qui peut-être n'existe plus. Par exemple, les limites qui sont relatives au sexe. L'interdiction du droit de vote aux femmes aujourd'hui est dépassée. Aujourd'hui, même dans les pays arabes, même dans les pays les plus conservateurs en Arabie Saoudite, alors depuis récemment, on a admis le droit de vote pour les femmes. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'actualité, donc de l'étape contemporaine aussi, il y a une limite. Certes, on dit que le suffrage est universel, mais il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas voter. Les personnes qui ont de 0 à 17 ans, ils ne peuvent pas voter. Ils n'ont pas encore, je veux dire, la capacité pour voter. De même que les personnes dont la faculté mentale est altérée. Donc, ce que vous avez connu, comment dirais-je, dans votre cours de droit privé, donc droit des personnes, ou bien introduction au droit, comme étant incapacité majeure et incapacité mineure, donc les incapables majeurs, comment dire, les incapables mineurs, c'est les personnes qui n'ont pas encore 18 ans, les incapables majeurs, c'est les personnes qui ont 18 ans, qui ont peut-être 100 ans, mais dont les facultés mentales sont altérées, telles que les fous et autres n'ont pas le droit de vote. Mais il y a des personnes aussi qui sont frappées d'interdiction de vote, c'est-à-dire les personnes qui sont condamnées, n'est-ce pas, à certaines peines. Un certain nombre de condamnations vous fait perdre vos droits civiques et notamment vos droits de vote. Il y a aussi le critère de nationalité. Alors, pour voter au Sénégal, il faut être de nationalité sénégalaise, idem en France, idem en Mauritanie, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, donc, au-delà, n'est-ce pas, du caractère du suffrage, donc on en a parlé, et caractère du suffrage et nature du suffrage, donc, suffrage universel direct et suffrage universel indirect. Donc, le caractère du suffrage ici s'analyse, n'est-ce pas, comment dirais-je, dans le fait que le suffrage doit être égal et secret, le suffrage doit être universel, n'est-ce pas, mais d'une universalité relative, parce qu'on a dit qu'il y a des limites, n'est-ce pas, au caractère universel du suffrage. Maintenant, pour la nature du suffrage universel direct. Pour la nature du suffrage universel plutôt. Alors, le suffrage universel peut être direct ou indirect. Pour le suffrage universel direct, c'est très simple. Oui, alors, et interpellation intéressante de Abdoulaye Ndoye.
Alors, monsieur, par rapport à ce suffrage, est-ce qu'on peut la comparer avec celui au Sénégal à l'époque coloniale? Il y avait la possibilité, oui, à l'époque coloniale. Il y avait ce qu'on appelle, comment dire, un suffrage restreint. Parce que tous les Sénégalais n'avaient pas le droit de vote. Parce qu'au Sénégal, seuls les citoyens ressortissants des quatre communes, depuis la loi de, si je me trompe, 1872, OK? Comment dire, les ressortissants des quatre communes, à savoir Dakar, Saint-Louis, Rufisque, Gorée, pouvaient voter à l'exclusion des autres. Donc, ceux qui étaient ressortissants de Bambey, ceux qui étaient ressortissants du Djolof, ceux qui étaient ressortissants, n'est-ce pas, du Fouta, ainsi de suite, n'avaient pas le droit de vote. Donc, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, on peut parler, et comme vous l'avez dit, Abdoulaye Ndoye, de suffrage, n'est-ce pas, comment dire, ce qui n'est pas universel, donc le suffrage restreint. Alors, nature du suffrage. Suffrage universel direct et suffrage universel indirect. Suffrage universel direct, c'est très simple. C'est quand c'est les électeurs qui choisissent directement. Par exemple, pour voter pour le président Macky Sall. On n'a pas besoin par passe, comment dirais-je, par passer, n'est-ce pas, dans d'autres structures intermédiaires. On vote directement. Au Sénégal, au moment du vote des élections présidentielles, vous voulez voter par Sonko, vous allez directement, vous prenez le bulletin de Sonko. Vous voulez voter pour, bon, Macky Sall, entre guillemets, vous voulez voter pour un autre candidat, vous allez dans l'urne, vous votez, n'est-ce pas, vous mettez le bulletin, vous le choisissez directement. Alors que dans le suffrage universel, comment dirais-je, indirect, vous, ce que vous faites, c'est que vous votez pour ceux qui vont voter. C'est indirect parce que vous ne votez pas directement, vous ne choisissez pas directement. Je donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'avant les élections du 23 décembre 2021, le maire n'était pas élu au suffrage universel direct? Avant les dernières élections que nous venons, n'est-ce pas, de sortir. Le maire n'était pas élu directement, n'est-ce pas, par la population. Ce qui s'est passé, c'est qu'on élisait des conseillers. Donc, dans chaque liste, ou bien dans chaque bureau de vote, quand vous venez, vous trouvez une liste de Bernard Bokouyakar, liste de Wallou, ainsi de suite. Alors, je donne l'exemple avant ces élections, ce qui s'est passé. Vous venez. Vous prenez une liste où seront les localités, ce seront la densité de la population de la localité. Dans certaines localités, on élit 50 conseillers, dans d'autres 60, dans d'autres 80, dans d'autres 20, dans d'autres 30. Alors, une fois qu'on a élu ces conseillers-là, par exemple, dans la commune de Yombo Sud, considérons. Une fois que les électeurs ont élu, par exemple, les 70 conseillers municipaux, c'est ces 70 conseillers municipaux qui vont s'enfermer dans un bureau pour choisir à leur sein celui qui sera le maire. Maintenant, les choses ont changé. Depuis ces élections-là, quand on vote, par exemple, dans la localité de Yombo Sud, OK? Le candidat dont la liste est majoritaire devient automatiquement maire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous allons dans une élection municipale, où Ramatoulaye Sy avec sa, où on a Ramatoulaye Sy avec sa liste, Seydou Damfakha avec sa liste, Dorothée Sané avec sa liste, si Seydou Damfakha, qui est à la tête de liste, voit sa liste obtenir la majorité des voix, Seydou sera directement maire. Donc, il n'est plus question aujourd'hui pour les conseillers élus de s'enfermer, de négocier, de marchander et de désigner, n'est-ce pas, parmi eux qui sera maire, parce que celui qui sera maire, c'est celui qui sortira directement, n'est-ce pas, vainqueur, n'est-ce pas, des urnes. Dorothée Sané, monsieur, est-ce que le bulletin secret est valide?
Bon, ce n'est pas ce que vous entendez par bulletin secret, mais le vote secret, c'est la seule, je veux dire, c'est le seul qui est valide, hein? Quand vous votez normalement et que tout le monde sait dans le bureau de vote pour qui vous avez voté, le vote n'est pas valide. Que le vote, encore une fois, a un caractère secret. Maintenant, bulletin secret, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, il y a un bulletin nul, il y a un bulletin blanc. Un bulletin nul, c'est un bulletin qui est frappé d'irrégularité. Par exemple, vous venez voter. Au lieu de mettre dans l'enveloppe, OK? Au lieu de mettre dans l'enveloppe le bulletin du candidat, d'un seul candidat, vous mettez comme adresse le bulletin de deux ou trois candidats, le vote est nul. Dans le décompte, on compte bulletin nul. Bulletin blanc, c'est un peu ce qui s'est passé à Touba. Alors, il y a des réalités qui sont propres à Touba qui ont fait que peut-être le calife, n'est-ce pas, a choisi lui-même celui qui sera maire de la ville. Maintenant, il faut qu'on ait des élections. OK? Alors, tous ceux qui sont inscrits et qui sont contre, je veux dire, le candidat choisi par le calife, ils manifestent ce désaccord-là à travers un bulletin blanc. Alors, c'est prévu également dans certains systèmes démocratiques parce que dans la population aussi, il y a des indécis. Dans les électeurs, il y a des indécis. Parmi la masse d'électeurs, il y a des électeurs qui ne veulent pas voter pour aucun des candidats. Et aussi, dans certains systèmes démocratiques, on considère que ces électeurs-là ont un droit de vote. Est-ce que vous savez que dans certains systèmes, on en parle là, même le vote est obligatoire. Si vous ne votez pas, vous pouvez être condamné. Donc, si aucun des candidats ne vous plaît pas, vous entrez dans l'urne et vous mettez un bulletin blanc. C'est un bulletin vierge, n'est-ce pas, dans laquelle ne figure, n'est-ce pas, aucune liste ni aucune photo. Mais bulletin secret, alors, je ne sais pas ce que et cela signifie. Alors, donc, suffrage universel indirect, c'est lorsque vous ne votez pas directement, mais vous votez pour ceux qui doivent voter. OK. C'est l'exemple, comme je l'ai dit, au Sénégal, de l'élection des maires avant, n'est-ce pas, les dernières élections. C'est aussi le cas des États-Unis. C'est aussi le cas des États-Unis, n'est-ce pas, pour les élections présidentielles. OK? Mais seulement là aussi, on pourrait parler de suffrage, d'une certaine, n'est-ce pas, mixité entre les deux suffrages, où il y a un mélange de suffrage universel direct, parce que le peuple vote, n'est-ce pas, pour les représentants, n'est-ce pas, et les représentants vont se charger, n'est-ce pas, de voter pour le président de la République, ce qu'on appelle en quelque sorte, n'est-ce pas, les grands électeurs. Alors, maintenant, pour ce qui est du caractère du droit de vote, oui, c'est ça en réalité. Pour ce qui est des caractères du droit de vote, on en a trois. Il y a l'égalité de suffrage. L'égalité de suffrage, ça signifie quoi? Un électeur, une voix. Un électeur, une voix, donc pas de vote plural, pas de vote familial. Vote plural, c'est quoi? C'est qu'il fut des temps où, par exemple, comment dirais-je, certains votants pouvaient, du point de vue qualitatif, n'est-ce pas, être plus importants que d'autres votants. Par exemple, quand vous êtes notable, votre vote pouvait compter plus que le vote d'un simple citoyen. Donc, cela est aboli, cela n'existe plus pratiquement maintenant. Maintenant, le vote plural n'existe pas. Maintenant, quand on vote, que l'on soit chef d'entreprise, que l'on soit chef de famille, que l'on soit même président de la République, quand il vote, son bulletin doit compter, n'est-ce pas, comme étant une seule voix. Son bulletin doit valoir une seule voix, n'est-ce pas, comme du reste, n'est-ce pas, comment dirais-je, le bulletin de tout le monde. Autre chose aussi, deuxième caractère, c'est la liberté de suffrage.
Le suffrage est libre. Le suffrage est libre. Alors, si le bulletin l'emporte, si le bulletin l'emporte, c'est parce qu'il n'y a pas de maire. Il faut peut-être, voilà, procéder, n'est-ce pas, à des nouvelles élections. Maintenant, ça peut être problématique aussi, et cela dépend peut-être des systèmes. OK? Ah, si le bulletin blanc l'emporte, alors je suis bien curieux de savoir, je n'ai pas encore les résultats de tout bas, mais là aussi, dans ce système-là, même si les bulletins blancs l'emportent majoritairement, je veux dire, il y a une lecture à faire. La lecture à faire, c'est quoi? C'est que oui, celui qui a été pressenti et choisi par la Khalif, il va être maire, mais quand même, n'est-ce pas, il faut interpréter l'importance des bulletins blancs, n'est-ce pas, comme étant, n'est-ce pas, la manifestation, comment dire, d'un refus de la population de Touba pour voter pour cette personne-là. C'est pour dire tout simplement que le maire peut être élu, mais il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est élu et que plus de la population, n'est-ce pas, n'est pas d'accord avec vous, alors vous pouvez quand même exercer votre mandat, mais vous ne serez pas, n'est-ce pas, à l'aise. Okay. Oui, c'est ça, Yirim, c'est ça. Bon, je n'ai pas suivi jusqu'au bout, mais d'après, n'est-ce pas, les deux comptes de voix que je suivais, n'est-ce pas, par compte-goutte. Donc, on pouvait s'attendre quand même à ce que les bulletins blancs l'emportent. Donc, vous voyez précisément dans ce cas-là, cela n'a pas empêché, n'est-ce pas, Omer Abdelhakka, qui a été choisi, n'est-ce pas, par le calife, soit le maire. Alors, donc, caractère du droit de suffrage. Le droit de suffrage est d'abord libre. Il y a une liberté du droit de suffrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en principe, personne ne viendra vous cueillir chez vous, vous conduire à la gendarmerie pour vous dire, monsieur, aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas voté? Non. En principe, le citoyen peut choisir de voter ou de ne pas voter. D'ailleurs, il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas de carte électorale. Maintenant, il faut savoir qu'à ce principe-là de la liberté de suffrage, il y a des exceptions. Comment dirais-je, annoncé tantôt, il y a des systèmes où, si vous ne votez pas, vous pouvez être sanctionné. Au Belgique, à Luxembourg et en Grèce. Si vous ne votez pas, en tant que citoyen, vous devez, n'est-ce pas, payer une amende. Le troisième caractère, on en a parlé en voulant répondre à la question de l'autre, c'est le caractère secret. Alors, le caractère secret, c'est une conséquence de la liberté du vote. Et c'est pour cela également qu'il y a obligation du passage dans l'isoloir. Vous savez, il fut un temps au Sénégal, où peut-être aujourd'hui, vraiment, on a une machine électorale qui marche très bien, alors malgré les contestations, n'est-ce pas, on est quand même, le Sénégal est quand même une vitrine. Comment dirais-je, démocratique, en tout cas du point de vue électoral. C'est pour cela que, bon, je vais taire le nom. J'ai vu tout à l'heure, hein, le nom de l'étudiant ici, qui m'a appelé, n'est-ce pas, le jour des élections, parce que lundi, on a cours pour me dire, monsieur, est-ce que lundi, on a cours? Est-ce que demain, après les élections, on a cours? Bon, j'ai ri. On discutait par message sur WhatsApp. J'ai ri, je veux dire, j'ai ri intérieurement, j'ai ri intérieurement, mais je lui ai dit bien sûr. Alors, intérieurement, j'ai ri en disant qu'on est au Sénégal, okay, où les gens vont aux élections, n'est-ce pas, de 7h, 8h à 18h, et à 19h, on a peut-être les résultats provisoires, et à lundi, tout le monde va travailler. Okay? Alors, vous savez, il fut un temps où, par exemple, quand un militant d'un parti politique ou bien un leader de parti politique vous donne 10 000 francs et vous dites votez pour mon parti, mais les gens vont vous poursuivre
jusqu'au bureau pour vérifier. Non seulement on va vous poursuivre jusqu'au bureau pour vérifier, mais quand vous sortez, vous devez sortir avec le bulletin des autres candidats. Ça veut dire que vous avez mis le bulletin de son candidat dans l'enveloppe et dans l'urne. Donc, vous savez que ces aspects-là, ça porte atteinte à la liberté du vote, ça porte atteinte au droit de suffrage qui est un droit fondamental. C'est pour cela maintenant que dans tous les bureaux de vote, il y a un dispositif qui permet d'installer un isoloir, OK, et qui vous interdise de sortir avec, n'est-ce pas, les bulletins des autres, n'est-ce pas, candidats. Alors, troisièmement, les modes de scrutin. Alors, il reste 10 minutes, mais peut-être qu'on va, voilà, finir avant ça. Donc, les modes de scrutin. Les modes de scrutin, vous savez, il y a des choses, des aspects techniques peut-être que l'on ne peut pas comprendre ici. Mais si vous jetez un coup d'œil dans les fiches de TD, alors je ne sais pas qui a eu la chance de bénéficier de cet exercice-là, c'est la répartition des modes de suffrage. Alors si c'est ESI, si c'est SP ou c'est DIL, mais en tout cas, si le. Comment dirais-je? Cet exercice ne vous concerne pas, il faut quand même vous y intéresser. Parce que c'est un type d'exercice, malheureusement, qu'on ne fait, n'est-ce pas, généralement qu'en première année de droit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous pouvez poursuivre vos études jusqu'en master, jusqu'en doctorat et jusqu'à même l'agrégation sans revoir la répartition des modes de scrutin, qui sont des calculs assez importants et assez complexes, qui permet, n'est-ce pas, dans le cadre des élections, de procéder à des calculs pour savoir, n'est-ce pas, qui a combien de sièges, n'est-ce pas, qui a perdu et qui a gagné, etc. etc. Oui, Ezian, Malik Lam, donc ça doit être ça. C'est Ezian, donc les étudiants de SP, peut-être, et de DIL, devraient aussi s'intéresser à cette fiche-là. Alors, les modes de scrutin. Le scrutin, c'est quoi? C'est, comment dirais-je, la technique de calcul qui permet d'obtenir le résultat des élections. La technique de calcul qui permet à la fin des votations d'attribuer un nombre de sièges, n'est-ce pas, à chaque candidat. Donc, il en existe trois. Il existe trois modes de scrutin. Il existe ce qu'on appelle le scrutin majoritaire. Il existe ce qu'on appelle le scrutin proportionnel. Il existe ce qu'on appelle le scrutin mixte. Alors, le scrutin majoritaire. Le scrutin majoritaire peut être plurinominal ou uninominal. Il peut être aussi un ou à deux tours. J'explique. Dans le cadre du scrutin majoritaire, d'abord, le scrutin majoritaire veut que remporte les élections le parti qui a le plus de voix. Alors, si vous êtes écrit, si vous êtes non inscrit, on ne vous interdit pas de voter parce que vous ne remplissez pas les conditions. On n'interdit pas à l'étudiant qui ne s'est pas inscrit à l'UVS. On ne lui interdit pas de voter, c'est lui qui s'est, on ne lui interdit pas d'apprendre, c'est lui qui s'interdit d'apprendre. Pour voter, il faut figurer dans les listes d'élection, élection. Ce n'est pas une interdiction. Alors, même si le vote est un droit fondamental quand même, il y a des conditions, il faut les respecter, il faut être inscrit, il faut avoir la majorité, soit 18 ans, ainsi de suite. Alors, donc, il faut respecter ces conditions-là. Alors, vous ne pouvez pas aller aujourd'hui à l'élection dans une banque, okay, parce que les gens font la queue, attendent leur argent et disent, j'ai le droit, n'est-ce pas, comme tout le monde, de recevoir de l'argent. Non. Okay? Donc, ce n'est pas des interdictions, mais c'est un encadrement, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, à toute personne qui remplit les conditions d'aller s'inscrire dans les listes électorales. Alors, scrutin majoritaire, comme son nom l'indique, dans le cadre d'un scrutin majoritaire, remporte les élections celui qui a le plus de voix.
OK? Alors, dans le cadre, comment dirais-je, de scrutin majoritaire, on peut avoir ce qu'on appelle scrutin majoritaire plurinominal plusieurs, quand vous allez dans une élection, comme les élections passées, vous voyez une liste où il y a la tête de liste Sonko, et ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 30, jusqu'à 40 pour certaines localités. Vous allez dans d'autres, vous allez dans un autre, comment dirais-je, bulletin. Vous voyez Abdoulaye Diouf en tête, mais après, vous voyez une quarantaine, cinquantaine de personnes. Vous prenez l'autre bulletin. Vous voyez Barthélémy Diaz en tête, mais vous voyez, comment dirais-je, 50 ou 40 personnes. On a plusieurs noms, on a plusieurs personnes, donc c'est un scrutin plurinominal. C'est valable pour les élections des maires, pour les élections de conseillers et pour les élections des députés, donc pour les élections législatives. Mais on parle de scrutin uninominal lorsqu'on a un seul nom dans le bulletin. OK? Et c'est le cas des élections présidentielles. Dans le cadre des élections présidentielles, quand vous voyez le bulletin de Benno Bokouyakar, vous verrez le président Macky Sall. Après, vous ne verrez pas Diouf Sarr, vous ne verrez pas, n'est-ce pas, je veux dire, aucun autre dignitaire de Benno Bokouyakar. Vous verrez juste le président Macky Sall. Dans le bulletin de PASTEP, vous ne verrez que Sonko, ainsi de suite. Dans le bulletin de Khalifa, vous ne verrez que Khalifa. Donc, plurinominal, plusieurs, c'est quand il y a plusieurs noms, je l'ai dit de manière terre à terre, quand il s'agit, n'est-ce pas, d'une élection à l'issue desquelles c'est non pas une personne qui sera élue, mais plusieurs personnes qui sont élues. Mais par contre, dans le cadre d'une élection uninominale, c'est une seule personne, n'est-ce pas, qui figure sur le bulletin et qui sera élue. C'est le cas des élections, n'est-ce pas? C'est le cas des élections présidentielles. Alors, Youssoupha, on ne peut pas, les techniques de calcul des modes de scrutin sont tellement compliquées, on ne peut pas le faire dans le cadre du cours, n'est-ce pas, magistral. Alors, peut-être il faudra, comme je l'ai dit, voir les exercices sur le FUS. Alors, vous pouvez, sur Internet, peut-être vous pouvez, n'est-ce pas, faire des recherches pour savoir et à la suite de quoi, après, n'est-ce pas, après les exposés, bien sûr, n'est-ce pas, avec mes collègues, on va proposer une correction. Mais c'est pas, c'est quelque chose de très technique, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas faire ici. Alors, donc les élections, comment dire, le scrutin majoritaire peut être à un ou deux tours. Le scrutin à deux tours. Alors, le scrutin à un tour, c'est lorsque, quel que soit le résultat, celui qui a le plus de voix l'emporte. C'est le scrutin à un tour. Maintenant, le scrutin à deux tours consiste à dire, OK, le scrutin à un tour consiste à dire que même si vous avez plus de voix, pour que vous passiez, par exemple au Sénégal, on a 4 millions de votants. Alors, pour passer aux élections du président de la République au premier tour, il faut au moins avoir 2 millions plus 1, c'est-à-dire il faut avoir au moins la moitié plus 1. Parce que aussi, à supposer qu'on ait 5 candidats au Sénégal à l'élection présidentielle et que le premier, n'est-ce pas, a 1 million de voix. Donc, si vous avez 1 million de voix, alors qu'en tout, on a 4 millions d'électeurs qui sont inscrits ou bien qui ont voté, on considère que 3 millions, même si 1 million a voté contre vous, 3 millions est contre vous. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas légitime. Ça veut dire que même si on vous laisse, n'est-ce pas, au pouvoir, il risque d'y avoir des crises parce que 3 millions sur 4 sont contre vous. C'est la raison pour laquelle on a institué, n'est-ce pas, le scrutin majoritaire à deux tours. Scrutin majoritaire à deux tours, n'est-ce pas, qui veut que pour devenir, par exemple, président de la République, il faut au moins, je comment dirais-je, avoir la majorité, n'est-ce pas, des électeurs inscrits ou bien la majorité des votants plus 1. Maintenant, scrutin proportionnel et scrutin proportionnel et scrutin mixte. Alors, scrutin mixte, très rapidement,
C'est un scrutin qui allie les éléments c'est-à-dire les éléments du scrutin majoritaire et les éléments du scrutin proportionnel. Alors, donc on va terminer, il nous reste 2 minutes. Alors, scrutin proportionnel, c'est le système dans lequel chaque liste obtient un nombre de sièges proportionnel au nombre de suffrages obtenus. Vous savez, dans une élection, si on a une élection de liste, par exemple, élection législative et élection, comment dirais-je, municipale. OK? Il y a, comment dirais-je, un système complexe, n'est-ce pas, de calcul, un système complexe de calcul des voix. Alors, on commence d'abord par calculer le quotient électoral. Alors, le quotient électoral, c'est quoi? Quotient électoral, c'est le nombre de votants plus nombre de sur nombre de sièges. Donc, nombre de votants que l'on divise par le nombre de sièges. Et cela permet d'obtenir, n'est-ce pas, le quotient électoral. Maintenant, pour savoir le nombre de votants, le nombre de sièges de chaque liste, on prend le nombre d'électeurs qui ont voté pour lui, qu'on divise, n'est-ce pas, par le quotient électoral. Donc, on fait ça tour à tour pour chaque candidat. Mais à chaque fois qu'on le fait, il y aura des voix qui sont non utilisées, donc des voix qui ne sont pas réparties. Et à partir de ce moment-là aussi, il y a deux techniques de répartition. Il y a ce qu'on appelle le système de répartition à plus fort reste et le système de répartition, n'est-ce pas, à la plus forte moyenne. Alors, dans le système de répartition au plus fort reste, n'est-ce pas, on prend les restes et on les répartit, n'est-ce pas, au siège. OK? Et la liste qui a obtenu, n'est-ce pas, le plus fort taux de reste, n'est-ce pas, emporte les sièges restants. Donc, ça entre un peu dans le cadre de ce que je viens de dire tout à l'heure. Ce n'est pas des choses, malheureusement, en ce qui concerne les modes de scrutin, les calculs, les modes de calcul, ce n'est pas des choses que vous pouvez comprendre, malheureusement, dans le cadre d'un cours magistral. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous invite à ce niveau-là à revoir un peu, n'est-ce pas, les exercices. Et je vous invite également à aller sur Internet. Alors, il suffit de taper Google et pour trouver le cours de droit constitutionnel du professeur Elas Mbod. Donc, je vous l'écris. Professeur Elas Mbod qui est un, comment on appelle ça, qui est un agrégé du droit constitutionnel, comment dirais-je, un professeur agrégé, l'un des meilleurs hein, au Sénégal. Alors, donc, il y a son cours qui est dispensé à, comment on appelle ça, à l'Université catholique de Bamako, n'est-ce pas, sur lequel vous pouvez voir, n'est-ce pas, des exemples, n'est-ce pas, de calcul des voies. Donc, cela dit, mesdames et messieurs, malheureusement, il est l'heure. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on continue les TD. Alors, je vais vous donner une information. Pour le cours de droit de la famille, alors, on est tellement en retard qu'on ne fera pas les TD. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on est en train de s'organiser et nos collègues du droit privé sont en train de s'organiser pour commencer les cours de tutorat en droit de la famille lundi, n'est-ce pas? Mais il n'y aura pas en principe de TD. Alors, cela dit, je vous remercie de votre aimable attention et espère, n'est-ce pas, que nous nous revoyons, n'est-ce pas, très prochainement. Alors, je dois dire que une fois qu'on aura continué les TD et qu'on aura épuisé les fiches de TD qui concernent cette séquence, on va pouvoir, n'est-ce pas, profiter, n'est-ce pas, d'une journée de libre pour reprendre les cours magistraux. Donc, merci de votre attention et mention spéciale à l'équipe technique, n'est-ce pas, de Aminata Mbeng, alors Aminata Mbeng et voilà, Ibrahima, n'est-ce pas, qui nous accompagne techniquement et sans qui peut-être l'organisation de ce cours n'aurait pas pu se faire. Donc, encore une fois, alors merci et bonne fin de soirée.